Brigitte Macron était comme à son habitude sur son 31, samedi soir, pour accueillir au palais de l'Élysée, la première dame d'Argentine. Ensemble, les deux femmes ont ensuite accompagné leurs époux pour un dîner, dans l'un des meilleurs restaurants de la capitale. Pas le temps de souffler, point la peine à rentrer de Davos, en Suisse, où se tenait le Forum économique mondial, Emmanuel et Brigitte Macron ont une nouvelle fois dû revêtir leur plus belle tenue pour accueillir deux invités de marque, le président argentin Mauricio Macri, et son épouse, la femme d'affaires Juliana Aguada. De son côté, Juliana Aguada, la femme d'affaires syro-libanaise de 43 ans, a opté pour un long manteau noir recouvrant une délicate robe sombre reflet. Rappelons que le magazine Olin l'a élue première dame la plus élégante au monde en 2016. Brigitte Macron a quant à elle maintenu sa confiance en Louis Vuitton, arborant une nouvelle pièce bleue et noire, créée par le directeur artistique Nicolas Guesquière pour un résultat, on ne peut plus chic. Plus tard dans la soirée, les deux couples présidentiels ont été aperçus sur le Pont des Arts, dans le 6e arrondissement parisien, alors qu'ils se rendaient dans le célèbre restaurant 3 étoiles Guy Savoy.